Aujourd'hui, nous voici réunis à la mairie de Bastia de façon à offrir 3 cannes électroniques à des malvoyants qui font partie de l'association Luce à Ghisonaccia. Et ces 3 cannes électroniques sont offertes par les clubs Lyons de France. Tout cela pour fêter le centenaire du Lyons Club International. Il y aura 103 cannes électroniques réparties dans toute la France et distribuées, offertes gracieusement. Les dernières sont aujourd'hui. Il y en a 3 sur Bastia. Le Lyons Club International est l'association la plus importante au monde de clubs services, regroupant 1 600 000 adhérents dans le monde entier, répartis sur 200 pays. Le but philanthropique est de servir, ce qui est la devise des Lyons, We Serve. Et le Lyons Club International, le sigle même du Lyons Club International, veut dire Lions, Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety. Ce qui veut dire liberté et intelligence et la sauvegarde de nos nations. Donc dans le respect, la tolérance. Les objectifs du Lyons Club sont multiples. Ils concernent l'environnement, la santé, la jeunesse, l'illettrisme et bien d'autres sujets encore. Un des objectifs majeurs de Lyons Club International, qui a débuté déjà en 1920, c'est la vue, les problèmes de cécité. Déjà en 1930, un Américain aux États-Unis, Lyons, a créé les premières cannes blanches, qui a donné une liberté, qui est devenue le symbole d'autonomie des aveugles. Et là, tout récemment, ont été créées des cannes électroniques, qui donnera plus de liberté et d'indépendance aux personnes malvoyantes. Les Lyons Club ont créé, il y a déjà quelques années de cela, des bibliothèques sonores et des associations de donneurs de voix qui permettent à des malvoyants et non-voyants de pouvoir, ceux qui n'arrivent pas bien à lire, de pouvoir accéder à la culture à travers des prêts de cassettes, de CD et puis maintenant carrément des enregistrements sur MP3. La différence avec toutes les autres associations, puisqu'il existe une pléthore d'associations, c'est que chez les Lyons, un euro récolté, c'est un euro reversé. Tout le fonctionnement de notre structure, qu'elle soit régionale, nationale ou internationale, fonctionne que sur nos propres cotisations. Donc nous avons une cotisation moindre de 20 euros grosso modo par mois, ce qui n'est pas énorme, pour tout un fonctionnement mondial. En revanche, toutes les recettes de toutes nos actions, c'est 1 euro récolté, 1 euro reversé. C'est très important, c'est ce qui fait la différence avec toutes les associations et qui nous en différencie. Nous sommes des humanistes qui faisons de l'humanitaire et pas simplement que de l'humanitaire à temps perdu ou ponctuellement par-ci par-là.